suis le plus grand d'Europe. Nos paris sont minuscules à côté de lui. L'activité dure entre 5h et 5h30. Qui suis-je? Le volcan. Non, le volcan, il est encore un peu loin, je pense. Raté complet. Le plus grand. Nous paraissons minuscules à côté de lui, et je suis plus en Europe, on paraît minuscule à côté de lui. Un glacier? Ah bah oui, je suis con, oh merde. Bah, le volcan, c'est le glacier. Bah oui, c'est monstrueux, le glacier de côté. Le glacier. Bah voilà, le patinage au cul est le plus grand glacier d'Europe. Il se trouve dans le sud-est de l'Islande avec ses surfaces d'environ 8390 km², équivalent à la Corse. 8% de la surface de l'Islande disparaît sous sa calotte en islandais. Vatnajökull signifie glacier des eaux. Ce matin, rendez-vous 11h en glacier à un guide Booking Hut situé au Ok, un autre truc. Vous partez à 11h30 pour 5h à 5h30 de randonnée glaciaire. Il a fait un randonnée, mais c'est pas. Sur le Vatnajökull. C'est pas à patte. Je sais pas exactement comment ça. Ah d'accord. Pas de grasse mat et ça a fait belle maladie, sinon faites vous tuer. Mais c'est pas de la randonnée, les gars. Vous croyez vraiment que moi je vais faire 5h30 de marche? Franchement. Mais ne respecte plus. Je vais t'arrêter là. J'y crois plus. On a fait tout ça. On est parti du lac là-bas. On arrive en bus. Tout en bas là-bas. Tout en bas là-bas. On a marché tout ça et après on a commencé l'ascension. Au 12 bureau. Oh, ça va? Ouais, je vais niquer des mers. Hein. Ah, je vais niquer des mers. Bon, on est dans la mexicaine ou Spain, hein, parce qu'on... Ouais. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Et tu es comme ça, toi, tu es un mec comme ça. Non, capuche, Joe, capuche. Ouais, elle a dit. C'est bon, je sais le faire, je l'ai fait juste avant. Te casse, c'est un pro. Le guide juste là. T'as entendu ce qu'il expliquait ou pas? Non. Il disait qu'il y avait un Italien qui était venu faire ça. Il avait dit, je suis le temple, je suis le boss, je vais faire le hard. Il est monté, il a fait les 25 premiers S, il est reparti. Ah ouais? Est-ce qu'il a eu peur? Il a vu la première crevasse, il s'est cassé, genre. Du coup, c'est comme ça? Non. Tout à l'heure, on est passé dans une crevasse et il fallait mettre absolument un pied devant l'autre parce que sinon, on n'avançait pas, quoi. Donc, bien que voilà. Et là, regarde. Nos crampons, on n'est pas équipés, nous. On n'est pas équipés. Wotara. Chaque fois que je mets un pas, je pense à un prof. Histoire Géo. Le chauffage il marche pas. Bon, ça va qu'ils ont pu nous passer au moins des bouilloires. Bon, la seule bonne nouvelle qu'on savait pas, c'est qu'on a le petit déj gratuit. Donc, demain matin, on a le petit déj. Et voilà quoi. Apparemment, la salle de bain c'est au ballon, donc il y aura pas d'eau chaude pour tout le monde, je pense. Si, il y aura de l'eau chaude pour tout le monde, il va falloir attendre. Et voilà. Ah bon? Vous avez une heure de route, c'est pas
passerai la nuit à l'off ou à un hôtel, adresse, off ou un de mes couilles. Demain matin, vous partez à 9h. Moi, du coup, on part plus un peu plus tard. Voici ci-dessous les différentes étapes du parc. La cascade Svartisfoss, l'ancienne bergerie de sel à visiter, et Jökulsárlón, le plus grand glacier pro-glaciaire d'Islande, comptez trois quarts d'heure de route au départ de Skaftafell en direction de Hofen pour se rendre à Jökulsárlón. Le lagon est au bord de la route 1. Donc demain on peut se faire la cascade. Jökulsárlón, c'est ce qu'on a vu sur la route 1 tout à l'heure. Tu sais qu'on est passé là, qu'on a dit ah, c'est beau là avec tous les genres de glace en fait qu'il y avait sur l'eau là. Ouais. Donc soit on peut y retourner, c'est de l'autre côté à un quart d'heure d'ici. On peut y retourner et vraiment aller les voir. Sinon on peut directement aller au Skaftafell National Park. Et donc il y a la cascade Svartisfoss. Et j'ai regardé en fait sur le chemin, t'as d'autres cascades aussi qui sont sympas à voir. Et donc c'est un quart d'heure de l'autre côté. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses, toi. C'est comme vous voulez. Plus tracé direct. Tracé direct, c'est mieux, je pensais, moi aussi. Moi aussi, je pensais. Je pense. À domani.